Eh bien, bonjour à chacun, bonjour à chacune, salam alaikum, salam al-masih, bonjour à vous, chers auditeurs, merci à Karim de CRRC, merci aussi au grand rabbin Haggai d'être ici parmi juste, nous. Juste rabbin. Donc, rabbin des rabbins, enseignant, professeur à l'université, et puis intervenant aussi à l'Institut catholique de Paris. En tout cas, très heureux de vous recevoir dans le cadre en tout cas, de cette conférence, avec ce bel échange. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en arabe, on dit « Salam alaikum », que la paix soit sur vous. Et je dirais en hébreu, on va dire « Shalom aleichem », que la paix soit sur aussi vous deux. Pour cette thématique aujourd'hui intitulée, et vous développerez plus amplement chacun d'entre vous, donc « La nation islamique et la prophétie de Mohammed » dans le texte, je dirais, biblique de notre époque. Un grand merci. Donc, la parole est à Karim, je pense, qui va démarrer en tout cas cette introduction. Je te remercie Saïd pour déjà pour l'accueil, pour avoir organisé un petit peu aussi cet événement. Rav Shalom Alecha, j'espère que tu vas bien. Shalom, salam alaikum, salam. Salam. Voilà, tout va bien. Donc voilà, on est là pour discuter d'un thème qui est quand même, à mon sens, important, qui est le fait de discuter de la prophétie de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur eux. Pourquoi cette thématique? C'est très simple, c'est parce que l'un des points qui divise le judaïsme et l'islam, c'est vraiment cette thématique-là. Est-ce que le prophète Mohammed est oui ou non un prophète? Bien sûr. Et s'il est un prophète, est-ce qu'il est pour tout le monde ou est-ce qu'il est pour des gens spécifiques? Oui. C'est principalement ça, voilà la question. Et donc, voilà, je vais, on va dire, commencer par introduire, en fait, pour moi, la réelle problématique du sujet qui se résume, je pense, en un seul verset. D'accord. Un verset qui est issu de la Torah. Et qui dit, c'est dans le Nombre, chapitre 23, verset 19, que Dieu n'est pas un homme pour mentir, et qu'il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Lorsqu'il dit une chose, eh bien, il la réalise, et lorsqu'il annonce une chose, elle se réalise. Voilà le verset en gros. Donc, puisque Dieu ne peut pas mentir, oui. Je pense qu'on sera tous les trois d'accord sur la question, oui. Puisque Dieu, lorsqu'il fait des annonces, elles doivent se réaliser, oui. Sauf exception, je donne un petit exemple, rapide comme ça, par exemple, on a le prophète Jonas qui a été envoyé aux Ninivites, oui. Et il a fait une annonce de la part de Dieu comme quoi le Ninive allait être détruite. Mais puisque Ninive s'est repenti, oui. Et est revenu à Dieu, alors il y a eu abrogation de la menace qui a été prédite, et donc ça ne s'est pas réalisé. Mais c'est parce qu'il y a eu un changement dans la réalité. S'il n'y avait pas eu ce changement, ce repentir de la part des gens, la menace aurait été effective. Donc pour partir de ce postulat de base qui est que Dieu ne ment pas et ne peut pas ne pas réaliser ce qu'il a dit, et ben ça introduit en fait la thématique qu'on a actuellement, qui est que je considère personnellement le récit coranique comme étant vrai, si on part du principe que c'est Dieu qui l'a révélé, et qui annonce dans la sourate 7 au verset 157, que nous avons une trace à l'intérieur de la Torah et de l'Évangile. Bien évidemment, je ne vais pas parler de l'Évangile au rabbin, ça ne servira pas à grand-chose, puisque ce n'est pas du tout son support script de croyance. Exactement. Donc on va rester focalisé sur la Torah. La Torah, très bien. Voilà, et c'est déjà très bien. C'est vaste. Donc la sourate 7, verset 157, nous dit que voilà, et ceux qui suivent le messager, soit des nations, ou le prophète, enfin le prophète des nations, ou le prophète illettré, qui trouve mentionné chez eux ou devant eux dans la Torah et l'Évangile. Mmh. Donc on a une trace, en tout cas pour nous qui considérons le récit coranique comme une révélation divine, il doit y avoir une trace de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la Torah. Dans la Torah. C'est un débat. Pourquoi? Parce que déjà une prophétie, c'est pas quelque chose de tout à fait facile. On a besoin de savants, on a besoin de gens qui sont là pour pouvoir essayer de décortiquer un petit peu le tout. On va pas avoir marqué par exemple à propos de Jésus dans la Torah, Jésus, voilà, on vous l'annonce nominativement, oui. Ou Mohammed, etc. C'est un peu plus subtil que ça, il faut se creuser la tête et analyser. Oui. Donc c'est pour ça que je vais soumettre trois points dans mon argumentation. La première, c'est, je vais parler de ce qu'on appelle, enfin ce que moi j'ai appelé l'étrangeté du parallélisme entre Isaac et Ismaël. Le deuxième point, ça va être sur les caractéristiques prophétiques décrites dans la Torah, avec aussi l'ajout de, si on veut le rajouter, de la Torah orale et de ce que les hachamim, les grands sages, etc., ainsi que les rabbins, les grands rabbins du judaïsme, ont rajouté comme critère. D'accord. Et le troisième et dernier point, c'est la grande annonce qui est faite à Ismaël dans Genèse chapitre 17, verset 20.
Donc, je vais commencer. Alors, pour dire. Alors, ceci. Maintenant, je vais me concentrer directement sur toi. Alors, moi, ce qui m'a vraiment frappé dans la Torah, c'est vraiment cette similarité, ces similitudes qu'on a entre Isaac et Ismaël. Je vais en décrire plusieurs. Et moi, je veux vraiment qu'on discute sur ce point parce qu'il est très très important, même dans le dialogue islamo-chrétien, etc. Abraham, il a eu 8 enfants en tout. Sur ces 8 enfants, 2 seulement ont eu quelque chose de spécifique. Isaac et Ismaël. Pour les 2, un ange est venu annoncer le nom des enfants avant la naissance. Pour les 2, l'ange est venu annoncer leur naissance, ce qui n'a pas été fait pour les 6 autres enfants. Pour les 2, un ange est venu les sauver d'une mort in extremis. Mmh. On a Isaac qui a subi ce qu'on appelle la Akeda, donc on va résumer l'immolation qui devait être faite pour lui dans Genèse chapitre 22. Et on a Ismaël qui a été sauvé aussi par un ange dans Genèse chapitre 21 d'une mort assoiffée dans le désert. Parfait. Ouais. Donc ça veut dire que les 2 enfants ont été sauvés par Dieu. Ils ont été annoncés par Dieu. Les 6 autres enfants n'ont pas eu cette chose-là. Donc ça veut dire qu'on a des parallélismes qui sont vraiment importants. Mais ce n'est pas tout. Les 2 enfants ont eu des annonces. Ismaël a reçu une promesse, la promesse d'être une grande nation. Oui. Isaac a reçu la bérite, l'alliance. Oui. Et ce que le Coran reconnaîtra d'ailleurs, l'alliance a été faite par Isaac et sa descendance, Jacob, les prophètes, ainsi que les enfants d'Israël. Oui. Ils ont été tous les 2 circoncis. Je vais même dire que Ismaël a été même circoncis avant Isaac puisqu'il n'était même pas né. Tout à fait. Donc ça veut dire qu'il est entre guillemets rentré dans les critères de l'alliance puisqu'on va dire que Dieu nous explique que cette alliance avec les enfants d'Israël, elle tenait par le pacte de la circoncision. Mm-hmm. Et donc comme il a été circoncis avant, on peut dire qu'il est rentré dans l'alliance avant. Mais comme en fait il faisait partie de ce qu'on appelle El Beit, les gens de la maison d'Abraham, et ben c'est pour cela qu'il a été circoncis comme les autres personnes qui étaient dans la maison. On a eu d'autres choses qui sont importantes, c'est que en fait par Ismaël on a une lignée prophétique et par Isaac on a une lignée prophétique. La lignée prophétique par Isaac, c'est simple, c'est une lignée israélite continue. Plein de prophètes qui sont venus de du premier des prophètes, mais on va dire comme on parle de la Genèse, on va dire d'Abraham, à ce point-là, on a donc Isaac, et on a toute une lignée prophétique jusqu'à, alors nous, on va pas être d'accord, on va dire jusqu'au Messie, Jésus, paix sur lui, voilà, mais après on a le brisement de l'alliance que nous on considère ici. D'accord. À partir du moment qu'on rejette le Christ, le Messie, à ce moment-là, il se passe autre chose. Et bien, de même, on a une lignée prophétique entre Ismaël et Mohammed. Il n'y a eu qu'un seul messager entre les deux. D'accord. Et Mohammed, en fait, termine l'accomplissement prophétique selon la vision islamique. D'accord. De tout ça, oui. Il y a d'autres choses qu'il faut rajouter. On a, par exemple, Israël et Ismaël, qui tous les deux ont le nom de Dieu à l'intérieur de eux. Oui. Dieu entend. Voilà, et donc c'est très très important puisque c'est pas. Moi, c'est mon constat, c'est que Dieu ne fait pas les choses au hasard. Bien sûr. Il doit y avoir quelque chose de très important pour que Ismaël ait à l'intérieur de son nom, et donc de la communauté qui va le suivre, bien sûr. Et bien le nom de Dieu. De même pour Israël. On a aussi le fait que Israël a eu 12 enfants. Il a donné 12 tribus. De même, Ismaël a eu 12 enfants. Et ça a donné 12 tribus. Les deux se réclament d'avoir eu ce qu'on appelle un temple. Mmh. On a eu le temple de Jérusalem, Beit HaMikdash, ou Beit HaMikdash, selon comment on veut le prononcer en hébreu ou en arabe. Ensuite, on a eu le temple en lui-même, donc on a Jérusalem la ville plus le temple, et on a aussi, nous, la Mecque et la Kaaba. Ouais. On voit des similitudes. On a aussi le fait qu'ils ont eu tous les deux des lois. On a la loi mosaïque, qui a été donnée aux enfants d'Israël, et on a la loi islamique qui a été donnée par le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. On pourrait rajouter quoi? On pourrait rajouter que les deux ont eu une qibla, une direction. On a eu le temple de Jérusalem et Jérusalem, et nous on a la Mecque avec la Kaaba, au niveau de la prière. On a eu aussi le fait que
on a eu deux systèmes de système sacrificiel, tous les deux aussi. On a eu le système de sacrifice via le temple de Jérusalem, et on a le même système sacrificiel qui est rapporté aussi dans le Coran et qu'on accomplit aussi à la Mecque ou ailleurs. Mm-hmm. On va dire que c'est les similitudes principales. Oui. D'accord. Les deux enfants ont tous les deux enterré leur père. Il n'y a pas eu un rejet spécifique ou autre. Et ce qui est étrange, c'est que les six autres enfants n'ont rien reçu de toute cette chose-là. Donc il y a quelque chose de très spécial ici, entre Isaac et Ismaël. Ça, c'est quelque chose que dans la Torah, peut-être que je me trompe, mais ça a l'air catégorique. Ça veut dire que ce sont des faits. Ensuite, après avoir défini cette chose-là, il y a ce que j'appelle moi les spécificités. Ça veut dire que par exemple, Isaac a eu des spécificités que Ismaël n'a pas. Et inversement, Ismaël a eu des spécificités que l'autre n'a pas. Isaac a eu des choses très importantes. Il a eu le fait qu'il a eu ce qu'on appelle la bérite, l'alliance. Ismaël ne l'a pas eu, dans le sens que ça a été fait pour les enfants d'Israël ensuite. D'accord ? C'est par sa descendance à Isaac que les choses vont s'accomplir. Les bénéfices promesses. Je reviens sur ça. Parce que c'est une lecture exclusiviste de l'alliance qui est souvent erronée. Pas de problème. Un gars pourra développer là. Pas de problème. Ensuite, on a le fait que. Je disais quoi ? Oui, il a eu l'alliance. Il a eu l'alliance et Ismaël a eu des promesses. Voilà. Ensuite, comment il s'appelle ? Isaac, et sur lui, a eu un grand festin lorsqu'il a été sevré. Mm-hmm. Ismaël n'a pas eu cette chose-là. Le nom de la mère de Isaac a été changé. On est passé de Sarai à Sarah. Et le père aussi, Abraham, c'était Avraham, est devenu Abraham. Le nom de la mère de Ismaël n'a pas eu son nom changé, bien que dans le judaïsme, il y a une petite variante par rapport à cette chose-là, par rapport à une autre femme qui apparaît aussi dans la Genèse, qu'on appelle Keturah. Oui. Et on essaye de faire dire que ce sont les deux mêmes personnes. J'ai pas été très convaincu par cette chose-là. C'est pas tout le monde. Hein. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit. Oui, il y a plusieurs écoles de théologie. Exactement. C'est un midrash. Voilà, exactement. Alors, ensuite, il y a eu d'autres spécificités. Mais ce sont des choses qui s'arrêtent à Allah. La plus importante étant l'alliance. Oui. Ismaël a reçu aussi des spécificités que Isaac n'a pas reçues. Le premier, pour moi, c'est le fait que déjà, c'est le premier qui a reçu, le premier dans toute la Bible qui a reçu, le fait d'avoir son nom qui a été annoncé avant sa naissance. C'est le premier à avoir été annoncé comme étant une future grande nation. Oui. C'est le premier à avoir été un enfant circoncis. C'est le premier qu'on a béni parmi les enfants qui existent dans la Bible. On a d'autres personnes qui sont apparues auparavant, comme les enfants de Noé, etc., mais la bénédiction n'est apparue qu'après, c'est-à-dire que c'est au chapitre 9 de la Genèse, après le déluge, et ils avaient déjà plus de 100 ans. Mm-hmm. Puisqu'entre la naissance de Sem, Japheth et de Cham, et le déluge, il y avait déjà 100 ans. Et c'est venu après cette bénédiction. On voit que le texte de la Genèse à propos d'Ismaël lui donne cette bénédiction très tôt. On voit aussi que c'est le premier enfant qui a été sauvé. Je dis bien enfant, je ne parle pas du sauvetage des enfants de Noé aussi, mais il est beaucoup plus âgé. Même les enfants d'Adam n'ont pas eu cette chose-là. D'accord ? Ils n'ont pas, il n'y a pas un ange qui est venu pour les sauver. Mm-hmm. Pourtant, il y en a eu un qui a tué l'autre. Oui. On a la mère de Ismaël, qui est la première personne dans tout le texte de la Bible qui a reçu la visite de l'ange Gabriel, de l'ange de l'Éternel. Oui. D'accord ? Oui. Textuellement, en tout cas. Ensuite, on a le fait que c'est le premier en fait à avoir eu ce qu'on appelle une véritable promesse, d'accord, et une annonce nominative d'une chose qu'on verra par la suite. Quand on fait en fait, voilà, tout c'est ce que je viens d'expliquer. Si je l'ai fait ce petit développement, c'est juste pour en fait donner la contextualisation de ce que moi j'ai appelé justement le parallélisme étrange entre les deux. Et ça ne peut pas être fortuit, d'accord. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de spécial entre ces deux enfants. Oui, c'est sûr. Dieu fut avec Ismaël, il ne faut jamais l'oublier. Il l'a béni et en plus de ça, il l'a fait grandir avec lui. Et ça, c'est le premier à avoir reçu cette mention-là aussi. Oui. Jacob, c'est en Genèse chapitre 28. Joseph, en Genèse chapitre 38, 39. On voit ça aussi dans le Nouveau Testament. Bien sûr. On voit que par exemple, Jean-Baptiste, eh ben,
il a été aussi comme ça, il a grandi avec Dieu, il grandissait en sagesse, etc., devant Dieu, pareil pour Jésus, etc. Mais Ismaël est le premier qui a eu cette mention-là aussi. Donc c'est pas n'importe qui. Et j'ai aussi, Rav, je voulais te demander une chose, bon après ça reste, tu as le droit de le dire ou non, mais c'est vrai que beaucoup de chrétiens accusent Abraham d'avoir commis l'adultère avec, la fornication avec, sa femme, Hagar, et que Ismaël en fait est issu d'un adultère. Voilà, exactement. C'est tout ce que je voulais entendre parce que voilà, malheureusement, il y a des lectures. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent ces choses-là. Des chrétiens disent ça. Beaucoup de chrétiens, beaucoup, pas tous, mais beaucoup de chrétiens disent cela en ne comprenant, en ne comprenant pas, pour moi, que Agar était la femme de Abraham. C'était une femme. C'était certes une concubine, ce qu'on appelle en hébreu Pilegesh, exactement. Donc, c'est une concubine. Mais elle a. C'est un vrai contrat de mariage, c'est une femme réelle. Pas exactement le même au niveau du le statut, des liens qui unissent le mari et la femme, c'est des liens moins forts. C'est un petit mariage. Il y a le grand mariage et il y a le petit mariage. Donc, Pilerech, abusivement traduit par concubine, mais concubine, ça implique peut-être fornication, tout ça. Ici, non, c'est très, très légaliste. Il y a un contrat, il y a quelque chose. Simplement, c'est plus facile à casser qu'un mariage, un grand mariage. Donc, Pilerech, il faudrait traduire par petit mariage. D'accord. Très bien. Bah, justement, c'était juste sur ça que je voulais mettre. On va dire un terme, parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui, je ne vais pas dire, nagent dans l'ignorance et ils racontent, ils sont prêts à maudire Abraham. Parce que c'est, pour moi, le fait qu'ils disent qu'il a commis l'adultère, c'est énorme. C'est Sarah, Sarah elle-même qui lui a donné. Exactement. Oui, tout à fait, c'est clair dans le texte. Tout le texte, c'est clair. C'est clair. Après, chacun interprète comme il veut, malheureusement. Enfin, il y a des interprétations qui sont dans l'esprit du texte, il y a des interprétations qui sont n'importe quoi. Donc, ils sont dénoncés ce qu'est n'importe quoi. Tout à fait. Donc voilà, donc ça j'ai posé les bases entre Isaac et Ismaël. Maintenant, c'est pas tout. La première des choses, c'est que on va reprendre l'annonce qui a été faite dans Genèse chapitre 17, verset 20. Tout d'abord, ça commence en Genèse chapitre 16, où l'ange de l'Éternel, que je considère être l'ange Gabriel, va venir en fait annoncer à la mère de Ismaël qu'on va le multiplier énormément. Et ça, c'est une annonce de futur. Et c'est pas normal qu'on vienne dire à n'importe qui une annonce comme ça. D'accord ? C'est-à-dire qu'il joue un rôle, il y a quelque chose. Et ça, c'est avant sa naissance, et c'est pas le seul. On prend Jérémie, au chapitre 1, verset 5, on voit qu'il y a eu la même chose. Dieu dit à Jérémie, « Avant que tu ne fusses dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà établi prophète pour les nations. » Donc ça veut dire que déjà avant, Dieu prévoit des plans, et qu'on voit la réalisation que plus tard. Donc là, le fait qu'un ange de l'Éternel vienne annoncer à Hagar cette chose-là, ça a quelque chose de très fort. Surtout dans les annonces qui sont faites dans l'Ancien Testament, on voit que c'est jamais n'importe qui a une annonce. Deuxièmement, au chapitre 17, cette annonce, là, Ismaël a grandi, elle devient plus apparente. Là, Abraham demande à Dieu, en gros, de prendre en considération Ismaël. Et l'Éternel va répondre via un ange, en disant que Ismaël, je le bénirai, ou je l'ai béni, il deviendra une grande nation. Il engendrera 12 princes, c'est les 12 fils qu'on va retrouver dans Genèse chapitre 25, mais c'est surtout cette histoire de grande nation. Historiquement, bibliquement et historiquement, en fait, ça ne s'est pas réalisé avant l'annonce du prophète Mohammed et son arrivée. Et c'est sur ça qu'en fait, moi, je me focalise sur au niveau argumentaire pour pouvoir donner un argument sur trouver Mohammed dans la Torah. C'est-à-dire, on a une annonce. Cette annonce, elle n'a pas été effective auparavant. On va aller un peu plus loin que ça. Cette annonce, dans le judaïsme, il y a divergence sur la question. Il y a de très très grandes autorités qui ont admis qu'il s'agissait de l'annonce de Mohammed et de la nation islamique. On a par exemple le fils d'un autre de Maïmonide, Abraham ben Maïmon, qui a reconnu qu'ici il s'agissait de l'annonce de Mohammed et de sa communauté. On a Nathanael Fayoumi, le grand savant yéménite, qui a reconnu la même chose. Il y a une nuance qu'on va voir après pourquoi ils ne l'ont pas accepté. Ensuite, on a par exemple le Rabbi Bechai. Rabbi Bechai, c'est une grande autorité du XIIIe siècle. Cette personne-là aussi a repris une parole de Rabbi Hananel au XIe siècle. Et ça se trouve dans le. Vous pouvez trouver toute cette chose-là dans le commentaire du Rumash. Aux éditions Edmond J. Safra, à la page 79, édition 2014, qui rapporte la parole de Rabbi Hananel, et
on va dire, le témoignage de Rabbi Bechaï. Et ils disent, en tout cas Rabbi Hanel, nous voyons l'accomplissement de cette promesse qui a mis 2333 ans à se réaliser. Et là, les rabbins, ils sont une dizaine à avoir fait le commentaire du Roumash, ils ont mis entre parenthèses avec l'essor de l'islam. Donc ça veut dire que ici, même les rabbins sont capables de reconnaître cette chose-là. Alors, oui, il y a d'autres rabbins qui ne l'ont pas accepté, notamment le père de Maïmonide, le Rambam, qui lui n'a pas accepté réellement. Il faudra voir. Ça dépend comment on lit les choses, encore une fois. Exactement. C'est-à-dire qu'il peut l'accepter dans le sens qu'il a apporté la connaissance de Dieu aux nations. C'est une chose qui est un bien. Il a reconnu la même chose aussi pour Jésus, mais sur lui. De mémoire, c'est dans son... C'est ça, Mishneh Torah, exactement. Et ces choses-là, c'est une réalité. On a des grandes autorités qui disent oui, d'autres qui disent oui, non. Mais dans tous les cas, tous ces rabbins n'ont pas embrassé l'islam. Pourquoi ? Parce qu'il y a, moi, ce que je vais considérer comme une étrangeté, et ça, je voudrais une compréhension de cette chose-là. Ce qu'on appelle être un vrai prophète pour les nations et un faux prophète pour la nation israélite. Et ça, c'est un concept que je n'arrive pas à comprendre. Ensuite, autre étrangeté. Il y a ce qu'on appelle le système de la guématria. Au fait, à l'époque de Maïmonide, il y a eu une grosse problématique qui a généré en fait l'épître aux Yéménites. Oui. C'est en fait des juifs apostats qui ont embrassé l'islam, donc qui ont été dirigés par Samuel Abbès, etc. C'était un juif qui était du Yémen et qui a en fait sorti beaucoup de juifs et qui les a emmenés vers l'islam. On a à quel siècle là ? On est au 12e siècle, au temps de Maïmonide. Un petit peu avant, ouais, mais en tout cas, l'épître, elle a été écrite au 12e. C'est ça, l'épître qui l'a écrite, mais tout à fait. Pas si ça s'est passé un siècle avant. Merci. Et donc, ce qui se passe, c'est que ces juifs-là, ils ont annoncé avoir trouvé une chose. Ils ont annoncé avoir trouvé la mention nominative de Mohammed dans la Torah. On retrouve son nom. D'accord. Alors bon, c'est quand même quelque chose qui est étrange que des juifs puissent dire cette chose-là. Bon, le problème, là où il y a un vrai problème, bon, je vais revenir à Maïmonide qui, pour moi, personnellement, s'est trompé sur la question après dans sa réponse au Guémine, parce qu'il a confondu des versets du Coran. Mais, c'est pas tout. C'est que la mention nominative dont il est question, il apparaît dans Genèse chapitre 17, verset 20. Le même verset où il y a l'annonce de la grande nation. D'accord. C'est l'expression « bimeod meod » qui ne se retrouve que quatre fois, en fait, dans tout le Tanakh. D'accord, pas méod, méod, bi, méod, méod, il faut prendre le bi avec, qui en fait donne exactement en somme guématrique, si on calcule les lettres, la somme de 92. 17 quoi ? C'est quoi 17 ? 17-20, Bereshit 17-20, okay. Voilà. Où il y a marqué bi, méod, méod, et en fait, 92, c'est exactement la valeur guématrique et numérique du mot Mohammed, avec le même, le ret, le même et le dalet. Ça donne 92. D'accord. Et Maïmonide l'a reconnu. Oui, si on prend Mohammed, ça donne 92. Mmh. Mais après, il a essayé de changer parce qu'en fait, il dit oui, mais regarde, dans leur Coran, en fait, on parle de Ahmed. Et la valeur de ce mot-là, ce n'est plus la même, donc ça ne marche pas. Mmh. C'est le problème qu'il a fait. Oui. On ne peut rien prouver par les valeurs numériques. Les valeurs numériques, on dit, c'est ce qu'on appelle parperot la chokma en hébreu. Ouais. C'est-à-dire, ce sont des apéritifs pour la science, pour la sagesse. Et à Annie, quand on a quelque chose à prouver s'il y a une valeur numérique, c'est un plus. Exactement. Ceci dit, valeur numérique en elle-même, ça ne veut rien dire parce qu'on peut tout calculer. Mathématique. Et la preuve, c'est qu'il y a des apostats juifs qui sont convertis au christianisme au Moyen-Âge et qui ont sorti des bouquins entiers. De guématrie pour prouver que Jésus était le Messie, etc. Bon, ça ne prouve rien. Oui. Une guématrie, elle n'est pas là pour prouver, elle est là pour appuyer un enseignement du type midrashique, toujours dans le midrash, mais on n'est pas dans le droit canonique. On ne peut pas tirer de droit canonique d'une guématrie, hein, c'est pas possible. Ça, je suis d'accord. C'est juste, Mais que Mohammed soit la même guématrie que Bim Od Beod, tant mieux, ça prouve bien que l'un est l'accomplissement de l'autre. Exactement. Et justement, c'est ça que, en fait, comme appui secondaire, c'était parce que c'est pour ça que j'ai bien dit que c'était ce second système guématrique, c'est que cette grande nation, il y a cette histoire de guématrie qui marche. Premier point, et il me reste un troisième, c'est qu'il y a des parallélismes. Des sacrés points explosifs. Parallélisme et annonce.
Le dernier point que je voudrais par rapport aux prophètes de l'islam, en fait, ce serait ce qu'on appelle les caractéristiques prophétiques. En fait, l'Éternel nous dit dans Deutéronome chapitre 13 et chapitre 18, il nous donne des critères pour reconnaître un vrai et un faux prophète. Donc ça veut dire que ce prophète-là, pour être reconnu comme un vrai prophète, il faut qu'il appelle à la connaissance de Dieu, avant l'unicité. Pourquoi ? Parce que c'est un Dieu qu'on connaît. On ne va pas prêcher un Dieu inconnu ou un nouveau Dieu. C'est le Dieu que les enfants d'Israël ont toujours connu, ceux des pères avant la Torah. Oui. Il faut qu'il prêche un seul Dieu, sinon c'est un faux prophète. Il faut qu'il prêche, en fait, s'il fait un miracle ou s'il fait une annonce prophétique, si c'est pas une obligation, mais si elle se fait, il faut qu'elle se réalise et qu'en plus elle ait été faite au nom du seul vrai Dieu. Si on fait ça au nom d'un faux Dieu ou autre, c'est un faux prophète et son signe peut se réaliser comme il ne peut pas se réaliser. C'est ce que nous dit Deutéronome chapitre 13. Les miracles, c'est la même chose. Et pour les annonces prophétiques, comme prophétiques, eh ben, elles ne sont pas obligées de se réaliser comme j'ai dit tout à l'heure, avec le cas de Jonas. Parce qu'elles sont liées à certaines circonstances. Exactement. Tout si à les fait. Circonstances sont remplies alors, mais sinon, alors voilà. Voilà. Ensuite, il n'a pas le droit de s'approprier un message qui n'est pas le sien. Oui. S'il dit une parole que l'Éternel ne lui a pas dit, ça c'est dans Deutéronome chapitre 18, versets 20 à 22, alors c'est un faux prophète. Soit il invente, soit il ment, soit il s'accapare une parole, un message qui ne lui était pas destiné. Et il va le prêcher lui-même, alors que ce n'est pas pour lui. C'est un faux prophète. Qu'est-ce qui se passe quand on a un faux prophète? On a par exemple l'exemple le plus, on va dire, je ne vais pas dire le plus frappant, mais en tout cas dans le texte du Tanakh, de l'Ancien Testament, on a Jérémie qui fait un débat prophétique, on va dire ça, avec Anania, dans Jérémie chapitre 28, où en fait, il y en a un qui est un vrai prophète de Dieu et l'autre qui est un faux prophète. Et le faux prophète, il lui arrive quoi? Il meurt le septième mois de l'année. Comme Jérémie lui a annoncé par de la parole de l'Éternel. Donc, deux mois après l'annonce, il meurt. C'est exactement ce qui est dit dans Deutéronome. Le faux prophète, soit il meurt par le peuple, il lui arrive quelque chose, le peuple, ou alors il est jugé, ou autre, etc. Ou alors, Dieu le met à mort, par une circonstance, voilà, une maladie, ou alors, il va mourir, dans tous les cas. Ça, c'est pour les critères de Deutéronome, enfin de la Torah. Ensuite, il y a autre chose. Il y a ce que les savants d'Israélites ont rajouté comme complément. On a par exemple le fait que ce soit un ange qui révèle, sauf pour Moïse, et sur lui, mais sinon c'est un ange qui doit venir et qui doit soit apparaître en vision ou autre, en rêve, etc. et qui va faire des révélations. D'accord ? Comme l'ange Gabriel. Exactement. De toute façon, c'est l'ange. Pour nous, c'est l'ange Gabriel. Et je pense pas que ce soit aussi différent pour les rabbins. Pourquoi ? Parce qu'on a l'exemple parfait dans Daniel chapitre 10, où en fait c'est l'ange Gabriel, c'est nominatif, c'est nommé, qui vient et qui fait une révélation à Gabriel. Qu'est-ce qui lui arrive à Daniel. Qu'est-ce qui lui arrive ? Exactement. Ce qui arrive en général aux prophètes. Tremblement, perte de force. On a des symptômes traumatiques qui sont là. On a par exemple le fait qu'il a des crispations, convulsions, etc. Comme une forme de crise épileptique, mais qui n'en est pas une. Pourquoi ? Parce que le cœur, on va dire. Voilà. Eh bien, le cœur y est toujours. Il est concentré au maximum sur la révélation et il imprime ce qui se dit. Pourtant, le physique, lui, ne tient plus. C'est trop lourd. Et donc, ce qui se passe, c'est que on a ces trucs-là. On a d'autres choses encore. On a le fait, par exemple, qu'il a le droit, en tant que prophète, de transgresser la loi, temporairement, pour un but précis. C'est-à-dire, on va donner des exemples. On a Josué qui a pris Jéricho un jour de Shabbat. À la base, ça n'a pas le droit. Mais il l'a pris et il a outrepassé les limites pour un bien, enfin une cause, on va dire, je ne vais pas dire meilleure, mais voilà, un cas de force majeure. Mmh. On a Élie qui a fait un sacrifice en dehors de Jérusalem, qui n'avait pas le droit. Il l'a fait sur le mont Carmel, mais c'était pour confondre les faux prophètes. Mmh. Et donc on se rend compte en fait que le prophète vrai peut transgresser la loi temporairement. Par contre, il n'a pas le droit de transgresser le premier interdit qui est le shirk. Il n'a pas le droit d'outrepasser l'unicité. S'il prend des divinités, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, en tant Dieu ou qui prêche cela, c'est un faux prophète. Enfin, en tout cas, il rentre dans la fausse prophétie à partir de cet instant-là. On a le fait,
Non, ça suffira en tout cas pour les critères prophétiques. Juste voilà, ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que Mohammed, en tout cas dans ce qui nous est rapporté, ne contrevient à aucun des critères prophétiques qui sont énumérés. Tout ce qui a été dit lui est arrivé. L'ange Gabriel, les symptômes, etc. De la révélation, le fait qu'il a prêché un Dieu, la connaissance de Dieu, le même Dieu que les enfants d'Israël ont toujours connu, le fait que il a enlevé 360 idoles à la Mecque. Elles ne sont jamais revenues. Pas une seule d'elles n'est revenue dans le territoire islamique, là où il y a la Mecque. Les enfants d'Israël ont essayé de faire cette chose-là, pour bien moins de dieux que ça. Et pourtant, à travers leur histoire, eh bien, ceci est revenu. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas normal. C'est-à-dire que Dieu a renvoyé des messagers, justement, pour rappeler le peuple d'Israël. C'est pour ça aussi, entre guillemets, que le premier temple a été détruit. C'est à cause, en partie, de l'idolâtrie dans laquelle certains sont tombés. Pourquoi la dernière nation n'a jamais subi cette chose-là? Pourquoi Mohammed n'a pas eu cette problématique-là? Et pour conclure, je dirais que, voilà, on a toute cette problématique et je veux comprendre pourquoi les gens ne viennent pas à l'islam avec toutes ces choses. Voilà, super. Un grand merci, Karim, en tout cas pour, je dirais, cet exposé à peu près qui se situe en trois points. Ouais. Et je pense qu'on est vraiment heureux dans cette approche et dans cette analyse que tu as faite, dans cette étude comparative qui a approfondi, qui a recherché. Et puis, Rabbin Haggai, en tout cas, on est aussi content. Je pense que tu vas soulever pas mal de points, décortiquer pas mal de choses. Je pense que tu as des arguments aussi qui sont intéressants aussi à développer. Inch'Allah. Donc, shalom alaykhim wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction divine vous accompagnent. Amen. En arabe, salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Beshem Adonai rahoum wa hannoun na'asa nasiyah. Bismillah. Donc d'abord merci à Karim pour cette invitation à une discussion qui aborde des sujets importants, voilà, fraternel bien évidemment, qui apporte des sujets importants et il faut bien comprendre qu'on n'est pas du tout dans une polémique ici, absolument. Au contraire, on est vraiment dans une volonté de comprendre qu'est-ce qu'il y a chez l'autre. Et d'amener la lumière de manière à apaiser les cœurs, parce que souvent on a une vision politisée des relations entre le judaïsme et l'islam, ce qui n'est pas du tout le cas, notre cas en tout cas, et ce qui ne devrait pas être le cas dans le cadre d'un dialogue entre religions, sachant que, je dirais même dans l'absolu, on n'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de religion différente. On est tous une facette différente de la même religion, qui est la religion de Dieu, qui s'est dévoilé dans l'histoire à différents prophètes, différents législateurs, et chaque législateur est arrivé dans un certain contexte, et la religion a pris la forme contextuelle de cette révélation, mais tout ça, ce sont que les facettes de la même religion. Et donc, en fait, ce qu'on essaie de retrouver vis-à-vis de ce dialogue, c'est justement cette racine de nous sommes en effet un pratiquant de la même religion, qui vient du même Dieu, sous une forme différente, et si on a des divergences, ben, il faut se dire peut-être qu'est-ce qui se passe ici, et on va les approfondir. C'est bien, c'est excellent. Bismillah. Donc, ce que j'aurais aimé revenir, donc, c'est sur la nation, d'abord la nation musulmane. Alors, là j'allais dire, tu as magistralement exposé ce qui était... dit dans la Torah, oui, en effet, donc dans la Torah, la bénédiction d'Ismaël, se réalise dans la Oumma islamique. Donc elle est là, il n'y a pas de problème. Donc j'allais dire, il n'y a même pas polémique. On peut être que d'accord, et bien évidemment, et puis comme tu as cité tous les rabbins qui en parlaient, il suffit d'ouvrir le Humash, la Sora, notre Torah, et de voir les commentateurs, et tout le monde le dit. Donc voilà, on est déjà, on tourne une page. Maintenant, j'allais dire, il y a, avant d'aborder la problématique, entre guillemets, de la prophétie de Mohammed, il faudrait revenir sur ce concept de Berit, d'alliance, Berit en hébreu. Alors souvent, on a une lecture exclusive de l'alliance. Yani, l'alliance, elle a été établie entre Dieu et les enfants d'Israël, et que et les autres, il n'y aurait pas d'alliance.
C'est-à-dire qu'il y aurait un côté exclusif à l'Alliance. Ça, c'est une lecture qui est erronée, qui est mal comprise. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, la Torah est autoréférente. La Torah, elle parle d'elle-même. Donc, la Torah, c'est cette révélation prophétique donnée à Moïse et puis aux autres prophètes après, puis sur eux. Cette Torah, elle parle d'elle-même, en fait. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob, c'est surtout les à partir de Jacob, donc Jacob qui est aussi appelé Israël, donc les bénis Israël, les enfants d'Israël, la famille de Jacob, c'est à eux que s'adresse la Torah. Donc, ils ont été choisis pour la Torah. Donc, alors, on peut revenir sur le... Moi, j'aime pas parler de peuple élu. C'est souvent c'est dans les chrétiens ou en français on dit la primauté peut-être. Ouais, élection ça, ouais. De nos jours ça veut dire autre chose, ouais. N'est-ce pas Saïd, l'élection ça veut dire autre chose, ouais. Élection en plein dedans, élection ça veut dire quelqu'un vote, donc personne n'a voté pour nous, si c'est c'est Dieu lui-même qui nous a choisis, donc en hébreu c'est plutôt le choix, donc nous avons été choisis. La famille de Jacob, les enfants d'Israël, ont été choisis pour recevoir la Torah. Donc la Torah, elle parle de ce choix. Donc elle parle de cette alliance. Mais bien évidemment que Dieu lui-même choisit chaque peuple. Chaque peuple est choisi. Simplement, il ne s'est pas marqué dans la Torah parce que la Torah, elle parle du choix des enfants d'Israël, de la famille de Jacob, vis-à-vis de la Torah elle-même. Mais chaque peuple est choisi. Ce sont des prophètes des nations aussi. Oui, il y a une alliance avec Ishmaël, et il y a une alliance qui continue, qui prend forme dans la révélation du Coran et dans la création de la Oumma. Donc c'est évidemment, et c'est évident qu'on est dans une perspective d'alliance. Alors, c'est pas écrit noir sur blanc, c'est une compréhension de l'esprit du texte que il faut justement éviter d'avoir une compréhension, une vision, une compréhension littérale exclusiviste de cette notion d'alliance. Attention, donc nous sommes choisis, mais pas de manière exclusive. Ça ne nous rend pas meilleurs et ça ne nous rend pas les seuls. Tout le monde est choisi, chacun pour son choix, pour son plan divin. Et on n'est pas meilleur que les autres parce qu'on a été choisis. On a tous été choisis de toute manière. C'est une grosse responsabilité en plus d'avoir été choisi. Exactement. Surtout que notre responsabilité en tant qu'enfant d'Israël, c'est que nous soyons un peuple saint, un peuple, une nation de prêtres. C'est quoi ça veut dire quoi, une nation de prêtres? C'est-à-dire qu'on doit être au service de l'humanité. Au service de l'humanité, pas seulement pour parler du message du monothéisme, parler du Dieu 1, mais c'est vraiment être au service, soutenir l'humanité dans ses épreuves. Et ça, c'est une grosse responsabilité. Donc voilà, c'est ça le bémol que j'aurais aimé mettre sur cette notion d'alliance, la bérite. Oui, il y a une bérite spécifique, une alliance spécifique avec les enfants d'Israël, vis-à-vis de la Torah, mais il y a une alliance, chaque Dieu fait des alliances avec des peuples, avec chaque peuple. Donc voilà, ça c'est, je pense que c'était important que je revienne dessus. Alors, après, il y a cette histoire aussi donc, de reconnaître la prophétie de Mohammed. Est-ce que Mohammed, paix sur lui, est-il un prophète ou non? Alors, nous avons le verset qui est très très important. Et qu'il a cité. Hein. Ouais. Non, il n'a pas cité celui-là. Il a dit, voilà. Donc, c'est dans Devarim, ouais. Donc dans Deutéronome. 34:10. Donc il ne se lèvera pas encore en Israël, donc dans la famille de Jacob, un prophète comme Moïse. Qu'est-ce qu'il a Moïse de spécial? C'est un ce qu'on appelle mehoqer. Mehoqer, yani législateur. Législateur. C'est ce qui correspond au rasoul en arabe. Donc nous n'aurons pas d'autre rasoul. Mais le verset dit Bé Israël. Et les commentateurs sur ce verset-là, il suffit d'ouvrir leur match, disent oui, en Israël, il n'y en aura pas d'autre. Mais en dehors, oui, il n'y a pas de problème. Oui. Et c'est ça la beauté, j'allais dire, du fait que Dieu est un Dieu Hay, qu'on appelle vivant. C'est-à-dire que
le lien qu'il établit avec ses créatures, nous, les hommes, les êtres humains, ils ne se rompent jamais. Et chaque fois qu'on a besoin de guidance, Dieu envoie des prophètes. Bien sûr. Et donc, voilà, c'est de ce verset-là, les rabbins que Karim a cités, comme Rabbi Netanel de Fayoumi, ou Rabbi Avraham ibn Maïmoun, tu en as d'autres, tu as Rabbi Menachem Amiri aussi en Provence, dans Beta Bihra au 12e siècle, etc., etc. Donc tous ces rabbins, ces hachamim-là, ont bien compris que, oui, j'allais dire, dans notre dogme, on n'a pas de problème à reconnaître Mohammed comme prophète. Donc, voilà. Alors maintenant, comme chaque chose qui est arrivée après une certaine époque, comme nous sommes une des religions les plus anciennes, donc tout ce qui est arrivé après, c'est pas marqué canoniquement, on n'a pas eu de prophètes qui sont venus nous dire. Nous, la prophétie, chez nous, à l'intérieur de la famille de Jacob, elle se clôt avec Malachi. Donc Malachi, c'est notre dernier prophète. Et notre dernier prophète, jusqu'à le retour du Mashiach, donc le Mashiach sera annoncé par Élie, le prophète Élie, Eliyahu an-Nabi, donc le prophète Élie, c'est-à-dire son avatar, reviendra pour annoncer la prophétie messianique. D'accord. Donc la prophétie reviendra. Mais pour l'instant, Malachi, c'était notre dernier prophète. Donc, maintenant, tout prophète qui viendra après Malachi, pour les nations, c'est laissé, l'appréciation de savoir si c'est pour un prophète ou non, c'est laissé dans les mains des sages, des rabbins. Comme on dit après, Hacham Adif Minali, un sage est préférable, entre guillemets, une fois que le corpus de prophétie est clos, Hacham Adif Minali, un sage est préférable à un prophète. Oui. Dans ce sens-là. Maintenant, il faut. Tout ce qui est là, le quorum est établi, tout a été dit, maintenant il faut le mettre en pratique, il faut l'incarner, le mettre en pratique. Oui. Et donc c'est ça le travail du sage, c'est de compiler, de comprendre, d'incarner les enseignements prophétiques et de les transmettre. Donc c'est ça le rôle du rabbin, c'est un enseignant, un transmetteur de cette tradition prophétique qui est chez nous, qui s'appelle la Torah. Entre parenthèses d'ailleurs, juste pour dire, notre religion ne s'appelle pas judaïsme. Notre religion s'appelle Torah. Judaïsme, c'est les humanistes européens, les humanistes chrétiens qui nous ont collé ça. Mais nous, la c'est religion s'appelle la Torah. Torah. Alors, il faut savoir que dans les langues sémitiques, chaque mot a une racine triconsonantique, trois trilitaires. Donc la racine de Torah, c'est wa raya, waou. Resh, Yod, et qu'on retrouve dans le mot Moré, par exemple, qui veut dire enseigner, l'enseignant. Donc Torah, ça veut dire la guidance, la guidance, l'enseignement, voilà, ce qu'on transmet de maître à élève. Et ce n'est pas du tout comme les Grecs ont traduit dans le Nouveau Testament, enfin, quand ils ont traduit la Torah. En grec, ils ont traduit le mot Torah par nomos. Nomos qui veut dire loi, c'est réducteur. Parce qu'on a d'autres mots pour dire loi. En hébreu, on a hor, mishpat, etc. etc. Ouais. Torah, c'est plus large. Ça contient des lois, mais ce n'est pas que la loi, c'est vraiment la manière de vivre sa religion. Ça correspondrait à din en arabe, bilarbiya. Donc, donc, du point de vue de la Torah, maintenant, est-ce que Mohammed, est-ce qu'un prophète qui viendrait après la clôture de notre prophétie est un vrai prophète? Le fait de décider ou non, ça a été donné aux sages, aux rabbins. Et donc, comme chaque discussion, nos rabbins, eh ben, y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Oui. Parce que voilà, on n'a que notre discernement à utiliser, il y en a qui disent non, il y en a qui disent oui. Alors, il faut savoir que dans l'orthodoxie juive actuellement, la majorité des rabbins, surtout dans le monde ashkénaz, donc le monde des juifs européens qui domine un petit peu le monde religieux de nos jours, il n'y a aucune reconnaissance de Mohammed en tant que prophète. Dans le monde séfarade, il faut savoir que encore il y a quelques siècles,
en général, la moitié des rabbins étaient d'accord. On n'a pas de problème. Moi, je viens d'une lignée, au contraire, on accepte tout à fait la prophétie, le rôle prophétique de Mohammed, paix sur lui. Et donc, voilà, on est comme Rabbi Netanel Fayoumi, parmi ce qu'on appelle les Rishonim, parmi les grands rabbins, les anciens. Et voilà, encore moderne, un de mes maîtres qui s'appelait Léon Ashkenazi, Rabbi Yehuda Ashkenazi, dit Manitou, et c'était lui aussi, il disait, oui, Mohammed est un prophète. Voilà. Donc voilà, alors que ça ne l'a pas empêché d'être très sioniste, entre guillemets, c'est-à-dire il a donné une caution religieuse à l'État d'Israël, qui n'est pas la position des rabbins orthodoxes en général, mais il reconnaissait quand même la prophétie de Mohammed. Vous voyez, c'est, donc c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Et là, il avait une position qu'on aurait pu dire incohérente. Elle était très intéressante. Oui. Donc, voilà, ça, ce serait pour la prophétie de Mohammed. Alors, j'allais dire, maintenant, c'est à nous d'essayer de dire quelle est la position qui amène le plus de paix, sachant que si on comprend bien quel est l'islam n'est que de la Torah, mais donnée de manière universelle. Parce que la Torah, c'est un enseignement universel, mais il est spécifique, il est particulier. Il a été donné particulièrement à la famille de Jacob. Et donc, parce qu'il est particulier, il a un centre, j'allais dire, on a une géographie sacrée. Le centre de notre géographie sacrée, c'est le temple de Jérusalem, c'est Even Hashetaya, la pierre d'achoppement du monde, pas pierre d'achoppement, la pierre de pierre centrale, la pierre sur laquelle pierre angulaire, la pierre angulaire, enfin c'est la pierre de base, oui. Sur laquelle le monde a été créé. Donc tout est centré là-bas. Par exemple, notre calendrier est un calendrier lunaire aussi. Nos mois vont selon la lune, mais nos mois aussi, le premier mois de notre année, le mois de Nissan, qui est le mois de la fête de Pessah, doit rester au printemps. Mais quel printemps? Le printemps en Terre Sainte. Et donc, comme vous savez, les années lunaires, elles ont 11 jours de moins que les années solaires, donc ça recule. Donc, si on compte que selon la Lune, à un moment, le mois de Nissan, il ne va plus être au printemps, il va être en fin d'hiver. On sent ça au Ramadan, de toute manière. Et donc nous, parce que notre géographie sacrée, elle est centrée sur Jérusalem, et que le printemps, c'est le printemps de Terre Sainte, certaines années, on rajoute un 13e mois, de manière à ce que ce mois-ci reste, le premier mois de l'année, reste au printemps. Ça prouve le particularisme de la Torah. Contrairement, par exemple, à l'universalisme du calendrier musulman, dans lequel il y a 12 mois lunaires. Yani, donc, le Ramadan, il sera toujours, il bougera dans l'année, de manière à ce que ce soit équitable pour tout le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours les mêmes qui font Ramadan super court et les autres qui font... Voilà, ça. Donc, c'est ça le côté universel. Si on comprend bien les choses, on voit bien que c'est le même message de la Torah. D'abord, il me semble que le Mohammed lui-même, a dit, mais je ne viens pas apporter une nouvelle religion. Lui-même s'appelait le sceau des prophètes, c'est-à-dire qu'il vient... Comme un sceau vient authentifier les autres religions, ce qui a été dévoilé avant, c'est juste une authentification, une revivification des enseignements, des révélations précédentes, et révélé Yahni de manière universelle. Donc, dans le dogme de la Torah, on n'a pas de problème à reconnaître ça. On n'a pas de problème. Il y en a qui le reconnaissent, il y en a qui ne le reconnaissent pas, mais même si on le reconnaît, ça ne remet pas la Torah en cause. Surtout que, pourquoi? Alors, ça rejoint la dernière question, j'allais dire, c'est pourquoi les Juifs, s'ils reconnaissent Mohammed, pourquoi ils ne se convertissent pas à l'islam? Mais dans le Coran lui-même, on ne nous a pas demandé de nous convertir, c'est-à-dire d'accomplir nos rites religieux selon la révélation coranique. Vu que l'islam, vu que le Coran lui-même, c'est-à-dire l'islam lui-même, nous exhorte à être authentique avec notre Torah. Donc nous sommes selon cette lecture, parce que bien évidemment il y a encore une fois, c'est comme chez nous, il y a plein de lectures différentes, donc il y a des lectures très ouvertes et des lectures très fermées. Donc si on lit les lectures fermées, une fois que la prophétie de Mohammed est arrivée,
plus personne doit pratiquer selon les anciens rites, on doit tous prendre les nouveaux rites coraniques. Et il y a une lecture qui, même si la prophétie est arrivée, elle n'est pas arrivée pour les anciens. La preuve, c'est que dans le Coran, il y a une exhortation même aux enfants d'Israël, aux juifs, de dire, mais respectez votre Torah. Si on reproche à quelqu'un de ne pas avoir respecté sa Torah, c'est bien qu'il doit la respecter. Sinon, c'est pas cohérent. Voilà, ça fait partie du sens du texte. Donc, j'allais dire surtout qu'il y a d'autres versets du Coran, enfin, de nombreux versets qui disent chacun ses pratiques, comme dit Jalal al-Din. Voilà, chacun sa religion. Je ne sais plus exactement. Donc, il y a toujours cet appel à la diversité, cette reconnaissance de la diversité. Oui, c'est la diversité. Et comme nous, dans notre Torah, on dit ben, c'est. Il n'y a pas de raison de ne plus être fidèle à la Torah de Moshe Rabbeinu, bien sûr. Oui. Parce que le Coran ne nous demande pas de l'abandonner. Mm. Donc, on accepte le Coran tel qu'il est, parce que lui aussi nous accepte tel que nous sommes. Mm. Et nous non seulement nous légitimise, mais en même temps nous efforce de nous rappeler, les enfants, respectez la Torah telle qu'elle est. Tout à fait, ouais, c'est vrai. Et je pense que c'est ça la base d'une relation saine entre les juifs et les musulmans, tout à fait. C'est-à-dire de reconnaître la légitimité de l'autre, chacun dans sa religion. C'est-à-dire que quand on a compris que nous ne sommes que deux facettes de la même pièce, de la même révélation divine qui prend deux aspects différents, mais que la structure est la même, que l'enseignement est la même, que la révélation est la même, que tout amène à servir Dieu, à adorer Dieu, à se rendre meilleur, à ce moment-là, je veux dire, on ne peut vivre qu'ensemble et qu'en paix, et que se soutenir l'un l'autre et dans la pratique religieuse de l'un de l'autre. Ceux qui se souviennent, pour les anciens qui se souviennent de comment les juifs et les musulmans vivaient au Maghreb, parce que vous savez, le judaïsme est très ancien au Maghreb, bien sûr. Il vient même à ce qu'on appelle chez nous la destruction du premier temple, donc l'époque où les Phéniciens sont arrivés en Afrique du Nord. Oui. Il y avait aussi des Juifs, des enfants d'Israël qui étaient avec eux. Bien sûr. Donc il y a des synagogues très très anciennes, les communautés qui sont implantées, surtout à l'époque romaine, oui. Après l'époque phénicienne. Donc quand l'islam est arrivé au Maghreb, en Afrique du Nord, ils ont rencontré des gens qui étaient déjà juifs, des personnes locaux qui, ça faisait déjà un bon millénaire au minimum, qui étaient déjà là. Certains ont embrassé l'islam, d'autres sont restés juifs. Oui. Et il y a eu une conscience très forte pendant plusieurs siècles, peut-être même un millénaire et plus, que c'était nos frères. Oui. C'est-à-dire les juifs savaient que ces musulmans, c'est la même famille. Et réciproquement, les musulmans disaient, oui, ça, c'est nos cousins. Eux, ils sont restés juifs, nous, on a accepté l'islam. Et du coup, il y a cet sentiment de fraternité très fort qui était là, cette conscience qui se voyait même dans le culte des saints. Parce que vous savez, il y avait les saints, donc chaque communauté avait des personnes qui avaient réalisé Dieu de cette manière, que Dieu bénissait dans tous ses actes. C'est le saint, par exemple. C'est les traditions, le saint homme, très similaire. Autour desquels Dieu fait des miracles. Enfin, je veux dire, c'est extraordinaire. Et donc, on a l'habitude en Afrique du Nord de fêter les personnes saintes, l'anniversaire de leur mort, comme le Moussem en arabe ou la Hiloula en hébreu. Et bien, les musulmans allaient fêter avec les juifs, et les juifs allaient fêter avec les musulmans, les saints musulmans, et les musulmans allaient fêter les saints juifs avec les juifs. Pourquoi ? Parce que la sainteté, c'est Dieu qui la donne. Mmh. On savait bien que la sainteté, elle transcendait, elle était au-delà de la religion, et que le saint de mon cousin, même s'il n'est pas exact, même s'il ne pratique pas la religion exactement dans la même forme, c'est quand même mon cousin. Et ce qui marche pour mon cousin, ça va marcher pour moi. Si j'ai besoin d'être guéri, et que le saint guéri, par le mérite du sien, Dieu guérit, ou j'ai besoin d'un enfant et par le mérite du sien, Dieu ouvre les portes de l'utérus. Donc, et bien évidemment qu'on va participer. Donc, il y a eu ce sentiment de fraternité, il y a eu ces relations saines entre les juifs et les musulmans
au Maghreb et dans d'autres, dans d'autres coins de message politique. Et ça, politique et religion, ça fait une mauvaise mélange. De rappeler ça, parce que ce qui est intéressant dans le développement de notre frère Karim, c'est qu'il avance, en tout cas dans son approche, le fait que Muhammad, donc le prophète de l'islam, donc est bien nommé en fait dans la Torah. Et c'est vrai que pas mathématiquement, nommé, il n'est pas nommé. Il est nommé, en allusion. Est-ce que scripturairement, Karim, tu pourrais par exemple Deutéronome 18-18 ou par d'autres textes, par exemple dans l'Ecclésiaste, Ahmadouka, est-ce qu'éventuellement de ton côté tu pourrais véritablement nous donner des références, et notre frère rabbin, est-ce qu'il pourrait juste peut-être nous donner l'explication peut-être de ce mot dans son contexte, même si c'est une allusion, parce qu'on est face à un sage, et parfois nous avons malheureusement des personnes qui s'érigent pasteur, en théologien musulman ou autre, qui malheureusement vont tirer volontairement, je dirais, le verset, l'arranger, je dirais, pour eux-mêmes. Et ce qui est important, c'est qu'on ait une honnêteté et une déontologie, je dirais, dans l'approche, je dirais, de l'herméneutique, de l'exégèse. Avant de laisser la parole, Bien sûr, avec plaisir, mon frère, remarque sur ça, c'est-à-dire que... Bien sûr. L'arabe et l'hébreu sont des langues sémitiques. Et donc, parce qu'elles sont des langues sémitiques, on a des racines, donc ces racines très consonantiques, qui sont communes, dont la racine Hamada, Het, Mem, Dalet, Ha, Mim, Dal, qui est commune. Elle est commune. Donc, on va retrouver dans le vocabulaire toraïque, comme dans le vocabulaire coranique, la même chose. Donc, mais chaque langue a sa cohérence. C'est-à-dire que Souvent, certains missionnaires musulmans vont chercher tous les mots de la racine Hamada dans la Torah et vont dire voilà, Mohammed est là. Non, ça c'est parce que ici on est utilisé dans le contexte hébreu, dans un mot hébreu. Alors à ce moment-là, aussi on pourrait faire la même chose, ce qui est pas rigoureux de manière philologique, on pourrait faire la même chose. Par exemple, dans le Coran, il y a un mot qui est Furqan. Furqan, il a un sens très précis dans le genre. Ouais. Mais ce mot-là, il existe en araméen et aussi en hébreu mishnique, Furqan. Oui. Or, ça n'a pas du tout le même sens. Bien sûr. Et ce serait comme si nous, on viendrait dire dans le Coran, vous n'avez rien compris, chaque fois qu'il y a marqué Furqan, en fait, ça veut dire autre chose, ça veut dire notre sens à nous, Furqan. Non, Furqan, c'est de l'arabe, Furqan, c'est de l'araméen et de l'hébreu mishnique. Ouais, pareil pour le mot taqwa. Chez nous, tiroir, donner le sens de tiroir à taqwa en arabe, c'est aussi un manque de cohérence. Tout à fait, il y a un manque de cohérence. Et donc, de la même manière, chercher, par exemple, le verset du Cantique des Cantiques, c'est le verset souvent qui est cité, Kullo Mahamadim, on parle de Mohammed. Non, ça n'a rien à voir, Kullo Mahamadim, c'est toute agréabilité, toute chose. Voilà, donc, encore une fois, il faut de la rigueur l'appréciation du texte de l'autre tel que l'autre le lit. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'humilité de dire oui, mais c'est leur texte à eux, donc ils ont, eux, leur tradition qui est authentique parce qu'elle vient de leur prophète, ça a été transmis aux compagnons qui ont transmis aux sages, etc. Et donc, il n'y a pas de raison qu'ils ont mal compris un texte, pas plus qu'il n'y a pas de raison que nous, on a mal compris, parce que nous, on a une transmission rigoureuse depuis Moïse, avec les sages, les prophètes, les anciens, les rabbins, etc. Nous, on comprend tout à notre Torah, il n'y a rien de... Parce que encore avec notre frère Karim et puis son collectif, donc ce sont quand même des sages et des gens éclairés et qui ont vraiment évolué, je dirais, dans l'approche, je dirais, de l'apologétique, mais... Souvent dans nos débats, on retrouve vraiment des gens, mais qui veulent absolument, absolument, comme si le texte biblique ou coranique devenait élastique. Alors s'il n'est pas Ahmadouka, il est le consolateur. Et on va chercher absolument le consolateur, l'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. C'est un peu la théologie du remplacement pour dire que c'est Mohammed. Et je pense que c'est là où il faut faire important. Si moi, quelque part, c'est écrit Mohammed, on ne peut pas aller à l'encontre. Que ça soit dans le nouveau, dans l'ancienne alliance, qu'on va dire, ou dans la nouvelle alliance, si c'est écrit Mohammed,
Mais qui peut le nier ? Alors, c'est pas écrit. Comme tu l'as, si tu veux, tu l'as mentionné, et puis que mathématiquement, c'est vrai que notre frère Rabin a dit, et je suis d'accord avec lui, il y a des chrétiens qui aujourd'hui veulent prouver mathématiquement. Et elles-mêmes, pour nous, sont dangereux. Parce que à force d'utiliser les chiffres et de faire parler la Bible, je dirais, d'une manière mathématique, théologiquement, on arrive à des drames. Hein. Et puis des gens qui ne croient qu'à ça. Puis, donc c'est là où il faut faire vraiment être très prudent. Le Nouveau Testament et dire, voilà, Raël est le nouveau... On va le suivre, il est là, Messie, il est dans le sud de la France. Et je peux te montrer mathématiquement que Raël est le Messie, avec plein de guématries, tu vois. Bah, chez les Raëliens. Donc si tu as été convaincu parce que avec des calculs pour Jésus, donc tu peux être convaincu pour du Schtroumpf et du Schnock, donc ça marche plus. Donc. Mais ton analyse, Karim, elle est excellente, elle est pertinente, elle est intelligente, et en même temps, elle est bien développée. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, en fait, c'est cette similitude que tu fais, je dirais, dans l'alliance. Juste, il faut qu'on se mette d'accord sur la définition, peut-être avec notre frère Rabin, sur l'alliance, elle est importante. Quand cette alliance, elle a été donnée, bien sûr, à Seyyidina Abraham, qui est le père d'ailleurs de tous les croyants, bien sûr que Dieu aussi donne des promesses qui sont extraordinaires, non seulement à Agar, mais aussi à Ismaël. Et nier aujourd'hui ces promesses, nier Ismaël, c'est nier toute l'histoire qui lie deux peuples que vous êtes, juifs, et bien sûr, moi je m'inclus et je suis au centre pour vous réconcilier tous les deux. Mais en tout cas... On ne s'est jamais disputé. Oui, nous, il n'y a pas de problème. C'est à l'extérieur. C'est à l'extérieur. Quand je dis nous, c'est à l'extérieur. Nous, même trois, on n'a pas de problème. Voilà. Moi, je tiens à pas le politiser. Et l'autre point qui est important, l'autre point, c'est sur l'unicité. D'accord. Si tu peux développer. Pardon. En fait, je voulais revenir sur le verset que tu avais cité, Rav, de Shira Shire, qui est souvent utilisé. J'essaie de le répéter inlassablement depuis quelques temps, c'est que oui, ce verset-là ne concerne absolument pas le prophète de l'islam. Quand il dit Cantique chapitre 5, verset 16, ne dis pas cela. En fait, merci. On ne peut pas en fait, mélanger voilà, les langues entre elles et sortir un mot. Ce n'est pas un verset, c'est carrément un mot de tout le livre, tout son contexte. Vrai, tout le livre parle d'en fait d'un homme. Regarde, ça parle d'un homme et d'une femme. Ouais. D'accord ? Et ils sont mari, femme, ils veulent être ensemble, etc. Ça parle rien à voir avec une annonce prophétique dedans. En plus, c'est un langage assez. La poésie un peu érotique, on peut appeler ça comme ça. Oui, c'est ça. Il y a un truc qui ne va pas. De toute façon, c'est une fausseté absolue. J'ai même fait des études complètes sur la question. Le mot Mohammedim, enfin Mahamedim ou Mahamedim selon la prononciation différente, il existe même dans les sources juives. Tu le trouves dans, par exemple, de mémoire. Tu le trouves dans ce qu'on appelle les Midrashim. Tu prends le Midrash de Genèse Rabbah ou Exode Rabbah, etc. Ce sont des livres qui existent. Le terme Mahamedim existe. Ça veut dire quelque chose d'agréable. Mais c'est ça, en fait, exactement. Donc, on ne peut pas utiliser cette chose-là. Ça, par contre, je suis d'accord. Là où, par contre, moi, j'ai signalé une chose, en tant qu'appui secondaire, c'est que, en fait, oui, dans Genèse, chapitre 17, verset 20, il n'y a pas marqué Mohamed ou ce que tu veux. Oui, tout à fait. Par contre, il y a une expression dans ce même verset qui a été utilisée par les Juifs pour montrer que le nom est annoncé vis-à-vis de la valeur guématrique. Donc c'est un appui secondaire vis-à-vis de l'annonce de la grande nation. Et donc si on arrive à retrouver ce nom qui apparaît, comme je le dis, quatre fois dans tout le Tanakh, tout l'Ancien Testament, il y a que quatre annonces et trois dans ce même chapitre de Genèse, chapitre 17, la probabilité pour que ce soit en fait quelque chose de fortuit, elle est réduite au maximum. Sachant qu'il n'y a rien de fortuit dans les textes saints. Exactement. Tout est vraiment précisément ce que ça doit être. Donc, tout a un sens. Et par rapport à ce que dit notre ami Karim, donc là tu peux appuyer juste sur ça. On est d'accord, sur ça, c'est aussi une forme d'exégèse qui existe dans le judaïsme, dans le christianisme et aussi même dans l'islam. Bien sûr. Ça a été utilisé dans le Nouveau Testament. Ça prouve quoi exactement ? En fait, pour moi, ce que ça prouve, c'est que ça appuie. Mais en tout cas, ça t'aide. En fait, moi, ce que ça m'aide, j'ai un verset du Coran qui me dit qu'il y a une trace dans la Torah. Je vais dans la Torah, je vois qu'il y a une grande annonce faite à Ismaël. Je vois que dans ce même verset, et dans le même chapitre, c'est là où on a tout réuni au niveau des Bimehod Mehod, et dans le chapitre 21 qui concerne encore Ismaël, Bimehod Mehod n'est utilisé que là. Et c'est le même verset qui annonce la nation
islamite, comme certains l'ont islamique, en tout cas, c'est comme beaucoup de rabbins l'ont connu. Islamique. C'est une annonce qui s'est réalisée avec l'arrivée. Pour nous, Ishmael, ça veut dire l'islam. D'accord. C'est égal. Ismaël, tous les descendants d'Ismaël et le fait. Donc, mais l'islam prend l'essence. Oui, mais c'est-à-dire Ismaël, tant que les Ismaélites sont idolâtres, ils ne sont pas dans le plan divin. C'est ça. Donc dès qu'ils abandonnent l'idolâtrie, à ce moment-là, ils sont l'incarnation de Ishmaël dans le sens général de l'archétype. D'accord. La Oumma islamique et Ishmaël. Et l'archétype, c'est donc c'est cette passion qui devait sortir. C'est ça, exactement. Et là, moi, j'ai trois conclusions des questions. La première, c'est qu'est-ce que tu penses, toi, des critères prophétiques qui ont été établis dans la Torah et aussi par les grands Rachamim par rapport à ce que Mohamed a vécu, fait, accompli? Est-ce que pour toi, il contrevient à des critères prophétiques par rapport à tous ceux que j'annonçais tout à l'heure, prêcher l'unicité, ne pas ci, ne pas ça? Non, pourquoi? Ouais, non, c'était juste pour savoir en fait ton avis sur la question. Mais non, mais ces critères prophétiques, donc qui sont dans la Torah, ils ont été aussi bien explicités dans le droit canonique. Hein. Bien sûr. Maïmonide les reprend dans son livre des lois juives. Non, il n'y a pas de problème. D'accord. À ce niveau-là, on n'a pas de problème. Il n'a jamais, Mohamed n'a jamais parlé d'autre chose que de l'unicité de Dieu. Et d'ailleurs, rien de ce qu'il dit ne contredit la Torah. Donc nous, notre critère, c'est la Torah. C'est ça. Parce que c'est ce que la révélation que Dieu nous a donnée. Donc c'est à la mesure de cette révélation, on va mesurer les autres révélations. Et tant que ces révélations ne contredisent pas la Torah, ben on est dans la continuité, bien sûr. Et j'ai une deuxième question. Deuxième question, c'est, je connais des gens qui en fait essayent en fait de disqualifier cette chose-là en disant que en fait les critères donc de Devarim, de Deutéronome chapitre 13, 18 et les paroles des sages ne sont que pour le peuple d'Israël. Donc en fait, Mohammed ne peut pas rentrer dans les critères prophétiques établis dans la Torah. Alors moi, j'ai pas compris vraiment comment ils peuvent dire ça, parce qu'en fait, même si c'était à l'époque de Noé ou autre, c'était la même chose. Ils devaient parler au nom d'un seul Dieu, ils devaient prêcher un seul Dieu. Donc j'ai pas trop compris leur système, et je voulais savoir, selon toi, est-ce que ça peut concerner que les enfants d'Israël? Parce que le texte te dit bien de si un prophète sort de toi. Oui. Alors ça parce que pourquoi on parle des enfants d'Israël? Parce que ce serait quelqu'un qui viendrait prophétiser pour les Juifs. Donc si quelqu'un vient prophétiser pour les enfants d'Israël, on parle bien de voir de toi. Quel critère appliquer? Donc oui, c'est de là qu'on apprend les lois. On apprend quelqu'un des enfants d'Israël, mais c'est quelque chose de général. C'est ça, exactement. C'est les autres prophètes qui viennent. Alors, ils ne viennent pas pour nous, donc il n'y a pas le même enjeu, j'allais dire, en continent. Mais les critères sont exactement les mêmes. Dernière question, c'était sur le fait que, donc voilà, comme je t'ai dit, on a ce parallélisme Isaac-Ismaël, Israël-Ishmaël en tant que peuple, la nation Ismaël, la Oumma islamique et la Oumma israélite. On a ces histoires de critères prophétiques qui sont remplis et on a voilà, cette grande annonce qui est faite, et tu me dis en fait que oui, on peut reconnaître toutes ces choses-là. Moi, j'ai une problématique, et c'est ça vraiment que j'arrive pas à démêler. C'est si Mohammed est un vrai prophète, ce qu'il dit à l'intérieur du Coran et qui va aller contre les enfants d'Israël, comment on fait avec cette chose-là? Parce que si c'est un vrai prophète de Dieu et qu'il dit que Jésus était le Messie, que Jean-Baptiste était pas l'avatar en tant qu'une sorte de réapparition physique de Élie, mais qu'il en est en tout cas le c'est il a la puissance d'Élie, exactement. Voilà. Et bien, et comment on fait en fait avec tout ça? C'est-à-dire que Dieu en fait annonce que l'alliance a été brisé avec les enfants d'Israël, et le missa qu'ils avaient, l'engagement qu'ils tenaient avec Dieu, et ben il a été aussi séparé. On voit que le temple de Jérusalem, Beth Hamikdash, n'existe plus depuis 2000 ans. Et ma plus grosse problématique sur ce point, c'est encore ce qui nous sépare, c'est cette histoire de Messie. C'est-à-dire que comment ça se fait que ça arrive le même siècle
que le rejet de Jésus. Si, en fait, on nous dit que le deuxième temple a été principalement détruit à cause de la violence gratuite, etc., qu'il y avait. Mais le premier temple a été détruit à cause du shirk, en grande partie l'idolâtrie. Et il a été reconstruit du siècle même. Et là, 2000 ans après, pour quelque chose qui est moindre que le shirk, il n'est toujours pas reconstruit. Est-ce qu'il n'y a pas une alliance, en tout cas brisée, non pas de manière définitive, dans le sens que les enfants d'Israël, c'est bon, c'est fini, ils vont tous en enfer, il n'y aura pas de possibilité de repêchage, etc. Puisque même nous, on ne croit pas ça. Nous, en tant que nous, on dit que même les... Enfin, le prophète de l'islam est venu en tant que miséricorde. C'est les enfants d'Israël qui veulent venir dans son message. Ils ont tout à fait le droit et ils auront la même récompense que n'importe quel musulman normal. Et ben, moi, j'ai un problème justement avec cet ensemble. En fait, il y a un bug que j'arrive pas à... D'accord. Parce qu'il y a plusieurs choses Alors, d'abord, cette histoire de que les juifs n'auraient pas accepté le message de Jésus... C'est absolument faux. D'abord, Jésus lui-même, c'était un rabbin. Ouais. D'accord. Non seulement c'était un rabbin, c'était un rabbin de ma lignée en plus. Donc, je veux dire, je vois pas. Il n'y a rien dans le message de Jésus qui était contre la Torah. C'était que de la Torah pure. Oh, mais moi, je suis d'accord avec ça. Donc, il vient juste rappeler. C'est un petit peu ce qui se passe de nos jours. C'est qu'il y a beaucoup de littéralistes chez nous. C'est-à-dire des gens qui se perdent dans la technique et qui oublient que la religion doit être transformatrice. C'est ça. Et ce que tu disais, que l'idolâtrie, yani c'est plus grave que ce qui s'est passé au deuxième temple, où il y avait ce qu'on appelle sinat hénan, c'est-à-dire la haine gratuite. Non, il faut pas dire ça, justement. L'idolâtrie, c'est quelque chose d'extérieur. Certes, c'est grave, mais il y a l'idolâtrie intérieure, et c'est elle là, qui est encore plus grave. Parce que Dieu se dévoile. Il se dévoile dans le cœur. Dans le temple du cœur, le cœur spirituel. Comme il est dit, وَعَسُوا لِمِقْدَاشِ وَشَخَنْتِ بِتُخَانِ. Ils me feront un sanctuaire, et je résiderai, alors, au lieu de dire en lui, en eux. Yani, dans au cœur, c'est-à-dire quoi en eux, les commentateurs disent, dans notre cœur, c'est-à-dire le mikdash, le sanctuaire, parce qu'on dit Qadoshim diyu ki Qadoshani Adonai Mechem, soyez saints car moi je suis saint des saints de votre Dieu. Donc cette sainteté, elle, c'est quoi? C'est suivre incarner les qualités divines, la miséricorde, la patience, la charité, la bonté, et ralas, l'amour, tout ça. Donc c'est comment on incarne, c'est dans le temple du cœur. Donc dans le temple du cœur, il y a l'idole, c'est l'ego. Et est-ce que cette incarnation, une lecture secondaire post-exilique, comme il n'y a plus de temple, l'incarnation n'est plus dans le temple en tant que tel. Non. Mais là, c'est après. Le temple, encore une fois, il faudra revenir sur le temple. Rappelle-moi si j'oublie. Oui. Parce que le temple n'est que le symbole du véritable travail que chacun doit faire. Donc, alors il y a eu deux choses dans la description du temple, c'est que ce symbole il était plus efficace, donc il n'y avait plus besoin de l'avoir. Et maintenant, la deuxième bénédiction, c'est que, parce que à tout malheur est bon, certes on n'a plus de temple, mais d'un autre côté, on a été disséminé parmi les nations, et ça nous a enrichi, le judaïsme nous a enrichi du contact avec les autres. Il ne faut pas voir ça. Certes, c'est un exil, mais en même temps, cet exil, ça a été une source d'enrichissement permanent entre nous et les nations parmi lesquelles on est disséminés. Donc, et en même temps, ça nous a aidé à véritablement comprendre l'esprit de la Torah, parce que, tout à fait, à l'époque comme à l'époque de Jésus, c'est là où il y a eu la destruction du second temple, c'est que les gens se perdaient dans la technicité. Alors, donc, je continue. La technicité, c'est-à-dire qu'on reste dans la lettre plutôt que dans l'esprit de la lettre. C'est ce que tu racontais sur les prophètes, que les prophètes transgressent la loi. Ils ne transgressent pas la loi, ils transgressent la lettre de la loi pour l'accomplir à un niveau supérieur. C'est ce que Jésus a fait en tant qu'enseignant. Un enseignant, des fois, il choque. Les gens, c'est-à-dire apparemment, ils transgressent sous manière apparente la Torah, mais en fait, ils ne la transgressent pas. C'est toujours la Torah, mais les gens, il a transgressé la lettre, parce que les gens, ils sont tellement rigoureux que si on casse leur rigueur, mais ça aussi c'est permis. Pourquoi? Parce que le plus important, c'est encore une fois la transformation personnelle. C'est-à-dire enlever l'idole du cœur,
Ouais. Dans notre temps, on dirait que cette idole de l'ego, de dire moi, c'est moi Dieu, je suis mon propre Dieu, yani, c'est moi qui ai tout fait, comme dit le verset, qu'on ne dise pas que ma force et la puissance de mes mains m'ont fait obtenir toute cette réussite. Non, c'est Dieu qui bien sûr. Comme le dit le verset coran, la hala wa la quwwata illa billah. Exact. Donc c'est vraiment l'ego, il veut dire c'est moi qui fais tout. Et d'ailleurs Dieu dit on fait dire à Dieu, donc c'est genre un hadith qudsi chez nous, hein, le gas roi, le grossier d'esprit, celui qui est très orgueilleux, le gas roi, Dieu dit lui et moi il n'y a pas assez de place dans tout l'univers. Ça veut dire quoi ça, dans tout l'univers? C'est à dire que quand quelqu'un il a l'idole dans le colombe du cœur, il se prend pour Dieu. Il n'y a pas de place pour Dieu nulle part. C'est la dualité absolue, mais c'est plus que la dualité, c'est moi qui fais tout. Ben non, justement, donc c'est le travail, c'est ça, le travail du cœur, le travail personnel. Alors, donc ça c'est l'enseignement de Jésus. L'enseignement de Jésus, il est venu contre les gens qui étaient dans le littéralisme. Et il se trouve que cet enseignement, alors, il faut savoir, dans les confréries mystiques en général, donc Jésus était aussi maître de confréries mystiques, dans les confréries mystiques, le maître spirituel, le maître mystique, a un statut de Mashiach, de Messie personnel par rapport aux disciples lui-même. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui va délivrer le disciple de cette oppression de l'ego. Il va lui donner des enseignements très précis, des enseignements très, très, très subtils vis-à-vis de la nature de Dieu, de la nature de l'être humain, et quelle est la nature de notre travail dans ce monde, qui sont des enseignements transmis de maître à disciple depuis les prophètes jusqu'à nous. Et donc, pour le disciple, le maître, son maître, c'est son Mashiach. Ce n'est pas le Mashiach, mais c'est un Mashiach personnel. D'accord ? Il se trouve que les enseignements de Jésus, bien qu'à son époque, il n'ait pas été reconnu comme prophète en général, ni comme Messie en général, la providence divine a fait que, a posteriori, bien évidemment, on ne peut pas nier la qualité de prophète à Jésus. On voit bien le nombre de chrétiens qu'il y a dans le monde. Donc nous, je réponds à ta question, qu'est-ce que fait un juif quand, pour nous, a priori, Jésus, c'est un sage éclairé, un maître spirituel, et en même temps, le Coran, qui est la parole de Dieu, nous dit, c'est un prophète. Bah oui, bon, bah, c'est un prophète, a posteriori. Chez nous, on a un raisonnement, ce qu'on appelle Dekhatihila et Bidi'abad. Donc, Dekhatihila, a priori, et Bidi'abad, a posteriori. Donc, c'est un petit peu subtil. Hein. Donc, chez nous, ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Hein. Des fois, il y a des cases, il y a du nuance de gris, il y a du vert et du rose. Donc, parce que Dieu donne le terme, l'étiquette de prophète à Jésus, a posteriori, oui, on va le reconnaître comme prophète, et on ne peut pas nier son statut de prophète. Alors ce que je dis, c'est vraiment les mystiques qui disent ça. Évidemment, les littéralistes, ils ont un problème. Pas tous, hein, pas tous, parce qu'il y en a qui reconnaissent, en tout cas, Jésus comme une personne, comme un maître spirituel. Alors, comme un prophète, ça c'est encore un petit peu difficile, mais en tout cas, comme un prophète des nations, oui. Prophète des nations, il n'y a aucun problème. La preuve, on le voit a posteriori sur la ouais, c'est, de toute façon, c'est partagé. Si tu prends par exemple le commentaire de la Torah de Eli Munk, il te rapporte à propos de Jésus, dans le commentaire de Devarim 13, il te dit, oui, non, on n'a pas de problème pour reconnaître Jésus ici, bah oui, c'est un faux prophète. Donc il est bien annoncé dans Devarim 13. Donc en fait, c'est une divergence. Ouais, alors il faut savoir que l'histoire de Jésus, on peut en parler un petit peu, c'est une longue histoire. Alors, la première église, les vrais disciples de Jésus, les prophètes, tous des juifs. C'était les premiers chrétiens, en fait, Jésus c'est un rabbin, et ils étaient tous juifs, et la première église qu'on appelle l'église de Jacques à Jérusalem, c'était une synagogue. Ils étaient tous juifs pratiquants, comme Jésus lui-même. Jésus, il était circoncis, il ne mangeait pas de porc, il faisait Shabbat, etc. Eux-mêmes, pareil. L'histoire a commencé quand
le christianisme est devenu religion d'État de l'Empire romain. Il y a le Concile de Nicée. Le Concile de Nicée a décidé. Il y a une orthodoxie chrétienne, c'est la branche choisie par l'Empire romain, et tout le reste, c'est des hérétiques. Mm-hmm. Tous des gens qui étaient authentiquement et légitimement chrétiens, mais qui avaient choisi un aspect du christianisme vis-à-vis de l'autre, par les circonstances, mm-hmm. mais tous avaient reçu un christianisme authentique de maître à disciple depuis Jésus, quand même. Wow. Et en plus, il y avait l'église de Jacques, mm-hmm. la première église à Jérusalem, qui était une église juive, mm-hmm. ça c'était des juifs. Qui ouais. pratiquaient le judaïsme et la Torah. Donc, je ne sais pas pourquoi je disais ça, mais en tout cas, c'était pour dire que c'est compliqué cette histoire de. Bien sûr. De christianité. Pourquoi on en était là Non, moi je te posais la question pour savoir. En fait, là, vous faisiez en fait un parallèle, ça c'est important. Moi, Alzheimer. Non, mais vous faisiez quand même un parallèle qui est assez intéressant aussi sur la question. Oui, c'est forcément. En gros, je reprends le problème. Ouais. Sur, sur la question de est-ce que l'Empire romain. Enfin, est-ce qu'au 4e siècle ça a commencé maintenant Il y a tellement de choses à dire en fait qu'on n'aura pas le temps et puis c'est pas trop. Et puis c'est pas notre sujet. Exactement. Non, c'est vraiment avec la question du réalisme. Le vrai problème en fait, cela ne nous regarde pas. Alors regarde, ce que tu me dis, moi j'ai encore un problème. Vas-y. C'est que le Coran reconnaît Jésus comme étant le Messie. Pas que prophète. Il dit bien que c'est le Messie, c'était lui le Messie et que c'était lui que les enfants d'Israël voilà. devaient suivre. Bravo. Vrai Messie. Pas simple Machiach comme enseignant ou comme le grand prêtre était aussi le Machiach aussi ou ça. Là, on parle vraiment de le Coran reconnaît. Alors, le vrai très bien, Messie. Je comprends ta question. Alors, tu vois, chez vrai prophète, enseigne que c'est le Messie réel. Alors, tu me dis, on le reconnaît. Mais par contre, mais c'est un faux Messie. Ah, il y a une. C'est une fois apparente. C'est très clair. Elle n'est que apparente. Ouais. Alors, d'abord, pour les chrétiens eux-mêmes, et même dans l'optique coranique, mm-hmm. Jésus revient. Donc, si ça Jésus fait. Revient, c'est qu'il n'a pas complété, complété son plan ou son rôle messianique. Mm-hmm. Parce que le Messie. Selon l'optique thoraïque, il n'a pas besoin de revenir. Voilà. Il est là et c'est bon. D'accord ? Mm-hmm. Donc s'il revient, c'est bien que le plan messianique n'est pas totalement accompli. Donc il n'y a pas de problème parce qu'on attend le Mashiach, vous attendez le Mashiach qui revienne, que vous appelez Jésus, mm-hmm. et dans le Coran, le Mashiach il revient, c'est Jésus. Mm-hmm. Donc, okay. Donc on attend le même. Donc, il n'y a pas de problème. Ah, c'est bon. Alors, on va être précis. Alors, chez nous, il y a deux concepts messianiques. Il y a ce qu'on appelle Mashiach ben Youssef oui. et Mashiach ben David. Alors, c'est pour ça qu'on va revenir d'abord. Quand j'ai dit on attend le Messie, c'est pas exactement ça. C'est pas exactement ça. Vous savez, on dit toujours les hirondelles font le printemps. Mm-hmm. C'est pas les hirondelles qui amènent le printemps. Non, les hirondelles sont le signe que le printemps est là. D'accord. Pour le Mashiach, c'est ça. Il y a ce qu'on appelle les temps messianiques. C'est-à-dire mm-hmm. la conscience de l'humanité s'élève mm-hmm. et atteint une conscience messianique. C'est-à-dire que l'humanité dans son ensemble atteint un niveau moral, un niveau spirituel qui fait que le sceau divin qui va dire oui, vous y êtes arrivé, c'est l'apparition. Du Mashiach, de la raison du Messie. D'où est-ce qu'on apprend ça? Bon, ça, on connaît des textes, mais une histoire l'illustre. Rabbi Yehoshua ben Lévi, paix sur lui, qui était un grand mystique après la destruction du temple, qui avait l'habitude d'avoir des dévoilements du prophète Élie, qui était déjà. Qui se dévoilait de mm-hmm. manière éthérique ou onirique à certains sages réalisés. Donc, il demande un jour au prophète Élie, il dit: où est-ce qu'est le Mashiach? Le prophète Élie lui dit, il est aux portes de Rome, portes de Rome, l'Empire romain. Oui. C'est à l'époque, tout le monde était romain dans l'Empire romain, la Méditerranée. Alors donc, oniriquement, il se déplace aux portes de Rome et il voit le Mashiach parmi les lépreux là-bas, oui. en chance de déplacement, il y a toute une histoire. Oui. Donc il s'adresse à lui, il dit, Mashiach, matai morlevo, quand est-ce que mon Seigneur vient? Et le Mashiach le prend, heyom. Hayom, ça veut dire aujourd'hui. Donc, Joshua ben Nui est tout content. Il attend, la journée se finit, Khalas, il n'est pas venu.
Alors le lendemain, quand Élie se dévoile à nouveau, il lui dit, mais ton Mashiach, c'est un menteur, c'est un faux, je veux dire, il n'est pas venu. Il m'a dit, aujourd'hui, il n'est pas venu. Ah, Élie lui dit, non, tu n'as pas compris. Et il citait le verset du psaume, Hayom et Merkolot Ishma. Aujourd'hui, si vous avez écouté sa voix, sa voix, sa voix. C'est-à-dire que c'est pas. En fait, c'est le Mashiach qui nous attend. C'est-à-dire que le Mashiach attend que l'humanité s'élève. Oui. Et une fois que l'humanité s'élève, signe qui authentifie le fait que nous soyons arrivés à cette élévation de conscience. Alors, cette élévation de conscience, elle peut se faire de nous-mêmes. Bien sûr. C'est le mieux. C'est pour ça qu'on dit. Des fois, on peut dire Yeshua Kehrefaïn, la délivrance, la rédemption messianique, elle est comme un clin d'œil, elle est immédiate parce qu'on est arrivé tout seul. Et sinon, c'est comme le Hamor, comme le Hamar, l'âne. Oui. Des fois, on a besoin de coups de bâton. Donc, c'est ce qu'on appelle Havre Mashiach, les douleurs de l'enfantement messianique, pour arriver à cette conscience qui a besoin. Est nécessaire pour le dévoilement messianique, on a besoin de coups de bâton, de chocs éveillés pour nous rendre meilleurs. Et ça, on le voit au niveau personnel, donc ça arrive au niveau collectif, bien évidemment. Au personnel, souvent, les gens reviennent dans le droit chemin parce qu'ils ont reçu des épreuves difficiles, qui les font se transformer, qui les font repenser à des choses importantes, responsables, etc. Donc prendre un nouveau chemin. Et là, au niveau collectif, c'est pareil, si besoin. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs traditions dans les prophètes. Oui. Ça rejoint de ce que la prophétie. Donc, si, comme à Ninoué, à Ninive, les Ninivites ont entendu le prophète Jonas et se sont repentis, donc la prophétie, les mauvaises prophéties, Ani, qui étaient liées au fait que s'ils ne se repentent pas, ils vont recevoir des coups, ils n'ont pas eu besoin, donc on n'a pas besoin, donc tant mieux. Donc c'est pareil au niveau du Messie. Certains prophètes ont prophétisé des choses très dures. Ça, ça fait partie du coup de bâton. Si jamais on n'est pas repenti, et si l'humanité s'est repentie tout seul parce qu'on a écouté nos prophètes et les enseignements qui sont transmis. Alors il n'y a pas seulement que les prophètes juifs maintenant. De nos jours, il y a toutes les religions. J'allais dire dans le monde, elles tendent à transformer l'être humain, à le rendre meilleur. Donc quand la conscience globale et collective de l'humanité célèbre, le Mashiach se dévoile. Donc le Mashiach, et c'est ça, j'allais dire, dans nos traditions mystiques, le Mashiach, il ne vient pas que pour les Juifs. Alors, il faut savoir que dans la mystique juive, Israël, ça a un sens collectif, ça n'a pas le sens... Toutes les nations. Encore une fois, chaque mot, ça dépend à quel niveau on le lit, il a des sens différents et plus ou moins restrictifs. Donc, Torah a un sens très très précis, c'est que le Pentateuque, mais ça a aussi le sens général de religion, et avec toute une série de sens intermédiaires. De la même manière, Israël, ça a le sens spécifique de juif, appartenant à la maison de Jacob, à la famille de Jacob, mais en même temps, au niveau spirituel, au niveau mystique, nos mystiques disent Israël, c'est l'humanité réalisée. Donc c'est pas que les juifs. Non, tout à fait. Tout être humain, l'humanité qui se réalise est appelé Israël. Et donc le Mashiach, il vient pour Israël, il vient pour l'humanité qui a réalisé, qui a... On a toutes ces histoires d'annonces dans la Torah. Quelle est la probabilité que les parents de Mohammed appellent leur fils Mohammed et qu'il remplisse toutes les caractéristiques prophétiques qu'on a vues? C'est un vrai prophète, il appelle au vrai Dieu, il accomplit la promesse d'une grande nation... etc. Je pourrais multiplier les exemples, c'est pour te dire quelle est la probabilité que ce soit un faux prophète, si juste, même juste le premier point de l'appeler juste Mohammed, parce qu'il aurait pu être appelé autrement et appelé au vrai Dieu. Il aurait pu être appelé Mohammed avant la destruction du temple de Jérusalem. Non, c'est après. Après Jésus et après tout ça qu'on a Mohammed qui arrive, accomplissement de la nation, même la mention nominative au niveau Biméod, Méod, etc. Moi, je veux comprendre une chose. Ce prophète-là, il dit que les enfants d'Israël doivent venir à lui, à l'islam. Il vous fait un tas de reproches. Le vrai Messie, selon l'islam, est passé. C'était Jésus. Comment tu fais avec tout ça? Oui, d'un autre côté, et on reconnaît. D'un autre côté, il y a plein de personnes qui sont passées. Donc, certains juifs, encore une fois, il ne faut pas dire les juifs, certains, comme quand on parle des Arabes dans le Coran, certains Arabes sont comme ça, certains Arabes sont comme ça. Ah, c'est certain, oui. Et donc, si c'est un vrai prophète,
et que c'est un prophète qui est, il te dit, je suis envoyé à l'humanité entière, israélite compris. Mais dans le Coran lui-même, il nous dit, faites la Torah, respectez la Torah. Si vous respectez la Torah, vous vous rappelez comme la religion. Donc, encore une fois, ma lecture du Coran, c'est qu'elle nous légitime. Faut que tu regardes aux exégètes. Les exégètes, ils disent pas cela. Les exégètes, ils disent que c'était avant. C'est-à-dire que c'était. Ils pouvaient partir du temps du prophète de l'islam. Non, mais il y en a d'autres qui disent pas ça. Oui, c'est minoritaire et c'est surtout très actuel. Et donc, moi, ce que je veux comprendre, c'est que comment on sort de ce méli-mélo. Si Mohammed est un vrai prophète, toutes les catastrophes qui vous ont été indiquées, l'alliance est finie, mais Jésus est passé, c'était le Messie, etc., et que vous devez venir à l'islam, comment vous faites pour réagir, pour régler ce problème? Alors, pourquoi? Parce que l'islam aussi, ça n'a pas le sens réducteur de pratiquer selon la révélation coranique de Mohammed. L'islam, c'est une attitude. C'est une attitude vis-à-vis de Dieu. La preuve, c'est que bien avant la révélation coranique, mohammedienne, il y a le concept d'islam et musulman. D'accord, on est d'accord. Donc ça n'a rien à voir. Ouais. Donc un juif qui accomplit la Torah selon les préceptes de son prophète, Moshe, Rabbeinu, alayhi salam, et qui fait la parole de Dieu, évidemment qu'il est dans l'islam, il est dans cet islam-là qui transcende l'appartenance particulière à l'alliance coranique. Il est dans l'islam, c'est une attitude. L'islam, tu peux être hindou et musulman, parce que si tu dors, il y a des traditions dans l'hindouisme qui sont védantistes, qui parlent de monothéisme absolu. Ça marche pas chez nous. Chez nous, il n'y a pas ça. C'est pas ce concept de je peux être polythéiste. Attends, c'est pas des polythéistes, justement. Encore une fois, donc, ils sont dans l'islam, ils sont vraiment dans la soumission au Dieu unique. À ce moment-là, quand tu es dans la soumission unique, tu es dans l'islam. C'est tout. Encore une fois, c'est parce que les mots, ils ont une polysémie, et ils ont un sens réducteur et un sens large. Si tu lis les versets du Coran, justement, qui dit il n'y a que l'islam qui est le chemin de Dieu, mais si tu le lis de manière réductrice, islam et anis, c'est la pratique selon la charia coranique, etc. À ce moment-là, on doit tous se convertir à l'islam. Voilà. Mais si tu. L'islam, c'est d'ailleurs la soumission à Dieu, c'est la vraie religion. Ben à ce moment-là, même ceux qui pratiquent l'islam ne sont pas dans l'islam. Parce que la majorité des gens qui pratiquent l'islam, ils ne sont pas dans la soumission à Dieu. C'est des gens qui fautent, c'est des gens qui. Donc, encore une fois, la porte du paradis, c'est l'islam. La porte du paradis, c'est la soumission à Dieu. Donc, oui, celui qui est soumis à Dieu, il rentrera au paradis. Celui qui n'est pas soumis à Dieu, il ne rentrera pas au paradis, quel que soit son chemin, encore une fois. Qui va rentrer? Din wahed. La religion, elle n'est qu'une seule religion. Pour toi, tu m'as dit qu'on peut croire en la Trinité, par exemple, et aller au paradis. J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il y a des gens qui croient en la Trinité, qui se rentreront certainement au paradis, parce que ce sont des saints, parce que ce sont des gens qui ont fait du bien, et que la manière dont ils pratiquent la Trinité, c'est certainement pas la manière dont nous, on comprend la chose. Parce que nous, quand on comprendra, c'est haram. D'accord. Mais, encore une fois, j'ai trop d'humilité, j'ai trop de crainte de Dieu de me mettre à sa place. Donc moi, je ne suis qu'un être humain, j'ai pas les cartes de Dieu dans le monde, je vois que les êtres humains, les gens bien, je les aide à faire le bien, et je m'éloigne des gens mauvais. Voilà, c'est tout, indépendamment de l'étiquette qu'ils ont. Un grand merci, Rabbin Haggai Gabriel, en tout cas, pour cette intervention qui est d'une sagesse et qui est d'une grande richesse. Merci aussi à Karim du Centre en religion comparée. Merci en tout cas pour cette analyse. Et puis, je redis bien que dans le cadre de ce débat, donc, c'était une conférence donc, sur les points de convergence, divergence, donc judaïsme, hein, et plutôt Torah et je dirais l'islam. Donc, et je pense qu'il serait intéressant de refaire une conférence avec un auditoire, je dirais, beaucoup plus important, conséquent, parce que ce qu'a partagé le rabbin Gaï était d'une grande richesse, et ce qu'a partagé à Karim aussi était d'une. Une énorme richesse aussi. Un grand merci à chacun et à chacune. Salam alaikum. Et puis, shalom aleichem. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci.